Une personne autour de moi qui a su me transmettre son amour de la culture, c'est Pascal Martineau. Pascal Martineau, on s'est connus en fait au primaire. C'est quand même très cool. On se parle beaucoup des émissions qu'on regarde. Qu'est-ce que tu as regardé? Tout d'abord, ma mère, ça c'est sûr. Autant toute la culture qu'elle a eue, elle, là-bas, dans le fond, au Burundi. Mon mentor en tatouage, qui s'appelle Terry, m'en apprend beaucoup plus que juste sur le tatouage. Toutes mes amies proches, c'est des gens qui m'inspirent à tous les jours puis qui me font voir comme la culture d'une autre façon. Mes deux parents sont des musiciens. Ils ont été dans un band ensemble plus tôt. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Je pense que c'est les deux personnes qui m'ont le plus supporté dans ma musique puis qui m'ont le plus poussé vers la culture. Moi, une partie de ma famille vient d'un milieu plus rural. Donc, j'ai pu aller passer Noël dans le sous-sol de l'église ou bien danser avec les grands-mères, des trucs du genre. Le premier contact que je me souviens que j'ai eu avec la culture, c'était un groupe de jeunes chanteurs en France qui s'appelait les Kids United. Dans le fond, c'est un groupe de jeunes qui avaient mon âge, qui partageaient des chansons hyper inspirantes, je trouvais, puis ça m'a toujours motivé à aller plus loin puis à foncer. Je penserais à Cathy Bellé. Quand j'avais 7-8 ans, elle m'a accepté pour que je fasse des cours d'impro. Et puis je pense que sans elle, peut-être que j'aurais pas aimé le théâtre autant que je l'aime aujourd'hui. Donc si t'écoutes ça, Cathy, merci.